Hors de l'heure, 49 km 431, détenu par le Danois Ole Ritter. Salut à toutes et à tous, au sommaire de cette édition du football avec les éliminatoires du Mondial 2006. Dans la zone Asie, victoire de l'Arabie Saoudite. Et dans ce même groupe A, l'Iran reste en tête grâce à un doublé de Hashmain. En Europe, dans le groupe 1, les 4 leaders vont tenter de se départager lors du prochain match. L'Italie se prépare, elle, à conforter sa place de leader. Enfin, la Bulgarie s'apprête à recevoir la Suède, qu'elle n'a jamais battue en 38 ans. Et on commence ce tour du monde avec Yasser Al-Qahtani, l'homme du match Arabie Saoudite, Corée du Sud. Il s'agit du groupe A de la zone Asie qui en est déjà à sa deuxième phase éliminatoire. Ouverture du score à la demi-heure de jeu pour les Saoudiens. Les arabesques d'Al-Qahtani mettent la défense coréenne au supplice. Le centre en retrait achève de la déstabiliser et Saoud Ali Kariri ouvre le score. Un but qui récompense la pression exercée par les Saoudiens dans les 30 premières minutes. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir une réplique coréenne, une action personnelle de Park Ji-sung, l'ailier du PSV Eindhoven qui échoue sur un défenseur adverse. À un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, l'homme du match va achever les Coréens. Insaisissable, Al-Qahtani se fait descendre dans la surface et obtient un pénalty. Pénalty qu'il va lui-même se charger de tirer et de transformer sans trembler pour offrir à son pays une victoire de prestige 2-0 sur le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et dans l'autre match du groupe A, la logique est respectée entre le Koweït et l'Ouzbékistan. Dès la sixième minute, le Koweït ouvre le score avec Bachar Abdulaziz. Et si les Ouzbeks avaient créé la sensation lors du tour précédent en concédant le match nul face à l'Arabie Saoudite, les voici durement ramenés à la réalité dans la dernière ligne droite. Bachar Abdulaziz réalise ainsi le doublé à la 62e minute. Et ici, le doublé de Bachar Abdulaziz. L'Ouzbékistan va réduire l'écart pour l'honneur à la 70e minute grâce à Anvar Soliev. Victoire 2-1 pour le Koweït qui jouera ce mercredi face à l'Arabie Saoudite. Les Ouzbeks, eux, auront affaire à la République de Corée. Grâce à sa victoire sur la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite s'installe en tête du groupe A de la zone Asie avec 4 points. Le Koweït lui revient à hauteur de la Corée avec 3 points. L'Ouzbékistan ferme la marche. Dans le groupe B de la zone Asie, l'Iran reçoit le Japon et le spectacle est d'abord dans les tribunes. 100 000 spectateurs en liesse qui espèrent la troisième qualification de leur histoire. Pour le moment, les Iraniens ne sont jamais allés plus loin qu'un premier tour. C'était en 1978 en Argentine et en 1998 en France. Et ça commence bien puisqu'à la 24e minute, l'Iranien Vahid Hashmain ouvre la marque. Les Japonais sont assez décevants mais parviennent à égaliser avec Takashi Fukunishi à la 67e minute. Et si les Iraniens se procurent très peu d'occasions, ils savent en profiter. Et une fois de plus, c'est avec Hashmain qui offre le but de la victoire à son équipe à la 75e minute. Mercredi prochain, le match contre le Bahreïn sera capital pour le Japon. Pour l'Iran, il s'agira de confirmer. Dans l'autre match de ce groupe B, le Bahreïn rendait visite à la Corée du Nord, à Pyongyang. Des visiteurs qui vont ouvrir le score dès la 8e minute contre le cours du jeu grâce à deux de leurs points forts, la contre-attaque et le jeu de tête de l'immense attaquant Hussein Ali Ahmed à la réception d'un centre venu de la droite. Ali Ahmed qui va même réussir un doublé à l'heure de jeu. Une nouvelle contre-attaque bahreïni menée par Mohamed Ahmed Oubail. Au bout de son centre, il se trouve son numéro 9 démarqué qui du pied droit ne laisse aucune chance au portier coréen. 2-0 pour le Bahreïn. Les joueurs de la République populaire de Corée répliquent enfin 3 minutes plus tard. Le centre est signé Hang Song-chol à la réception Pak Sang-kwang qui réduit le score de la tête. La Corée du Nord revient à 2-1 et se donne un peu d'espoir. Espoir qui va s'évanouir en toute fin de match sur une action litigieuse qui devrait faire parler du côté de Pyongyang. Tout un stade et tout un peuple ont vu le ballon franchir la ligne de but.
Mais l'arbitre n'était pas du même avis et la Corée du Nord s'incline 2 buts à 1. Au classement du groupe B, le Bahreïn et l'Iran sont en tête à égalité de points et avec la même différence de but. Le Japon est troisième avec un point de moins et aucun point marqué pour la Corée du Nord. On commence maintenant le tour d'Europe des éliminatoires de la Coupe du Monde, dans l'ordre bien sûr avec le groupe 1 où les Néerlandais de Marco van Basten sont favoris avec la République tchèque, mais où la Roumanie et la Finlande vendent chèrement leur peau. Les Pays-Bas sont en tête du classement et rendent visite au deuxième, la Roumanie ce samedi. Un déplacement difficile pour les Oranges qui ont déjà concédé le nul 2-2 en Macédoine et ramené une victoire 3-0 d'Andorre lors de ces éliminatoires, victoire assez peu significative. La Roumanie, deuxième donc du groupe 1 qui a remporté ses deux matchs, déjà joués à domicile contre la Finlande et contre la Macédoine. Premier grand test donc pour les Roumains qui dépasseraient les Pays-Bas au classement en cas de victoire ce samedi. Car les écarts sont très serrés dans ce groupe 1 puisque les quatre premiers se tiennent en un point, même si les Pays-Bas et la République tchèque comptent un match de moins que la Roumanie et la Finlande. Derrière, on aura bien du mal à se mêler à la lutte pour la qualification. L'autre affiche de ce samedi 26 mars, la République tchèque reçoit la Finlande. Le troisième match lui concerne les deux derniers, l'Arménie et Andorre. Mercredi prochain, le 30 mars, les Pays-Bas, la Roumanie et la République tchèque affrontent les trois derniers du classement. Dans le groupe 2, la Turquie doit absolument profiter de la réception de l'Albanie pour remonter au classement. Les troisièmes du mondial 2002 ne sont en effet que quatrièmes de leur groupe avec une seule victoire en 5 matchs. Et compte le même nombre de points que leur adversaire ce samedi. Même cas de figure ou presque pour les champions d'Europe. La Grèce, plutôt décevante depuis le début de ses éliminatoires, se rend en Géorgie pour tenter de consolider sa deuxième place et de se rapprocher du leader. C'est l'Ukraine qui est le solide leader de ce groupe 2 avec un match de plus, certes, mais avec aussi 6 points d'avance sur la Grèce et 8 sur le Danemark, la Turquie et l'Albanie. La Géorgie est loin d'être larguée, ce qui n'est pas le cas du Kazakhstan. L'Ukraine ne joue pas ce samedi mais recevra le Danemark mercredi. Ce même mercredi, les matchs Grèce-Albanie et Géorgie-Turquie devraient contribuer à éclaircir la situation comptable de ce groupe. Le groupe 3, c'est celui du Portugal, du mancunien Cristiano Ronaldo. Le Portugal en tête au classement et qui est exempté ce samedi, mais qui se déplacera en Slovaquie mercredi prochain pour le match au sommet de ce groupe. Déplacement délicat pour les hommes de Luis Felipe Scolari, l'entraîneur brésilien du Portugal, qui ont déjà concédé le nul 2-2 au Liechtenstein. Match au sommet parce que la Slovaquie occupe la deuxième place du groupe avec un match de moins que le Portugal. Une victoire ce samedi en Estonie et les Slovaques reviendraient à hauteur des Lusitaniens au classement. Un bémol toutefois, la Slovaquie n'a joué qu'un seul match à l'extérieur pour l'instant en Russie pour un résultat nul, 1-2. Derrière les deux leaders, la Russie, la Lettonie et l'Estonie sont au coude à coude. Le Liechtenstein n'est pas encore totalement largué, ce qui n'est pas le cas du Luxembourg, mais ce n'est pas une surprise. Estonie, Slovaquie et Liechtenstein, Russie sont donc les affiches de ce samedi. Le gros match Slovaquie-Portugal, ce sera mercredi prochain donc, en même temps que les matchs Estonie-Russie et Lettonie-Luxembourg. Dans le groupe 4, l'occasion est belle pour la France de prendre enfin la tête du classement. Les Bleus, plutôt décevants jusqu'ici dans ces éliminatoires, reçoivent la Suisse d'Alexander Frey, le meilleur buteur du championnat de France. Henri, Trezeguet et Dorazo devraient pouvoir jouer au Stade de France. Mais pour que la France prenne la tête du groupe 4, il faudrait que l'air et Israël, co-leader avec les Bleus, se neutralisent à Tel Aviv. Les Israéliens qui recevront la France mercredi après l'air ce samedi ont un gros coup à jouer dans ce groupe. Le classement, on vient de l'évoquer, 3 leaders donc, 2 victoires et 2 nuls pour 8 points au compteur de l'air de la France et d'Israël. Attention à la Suisse qui pourrait revenir dans la course en cas de victoire à Saint-Denis.
En tous les cas, on y verra plus clair après les matchs de mercredi dans ce groupe 4. Outre Israël-France, donc à Tel Aviv, la Suisse recevra à Zurich l'équipe de Chypre qui se dispute la dernière place du groupe avec les îles Féroé. À présent, voyons ce qu'il en est du groupe 5 au groupe 8. Dans le groupe 5, l'Italie affronte ce samedi l'Écosse à Milan. En position de force, en tête de sa poule, la squadra azzurra sera opposée à une nation qui n'a pour l'instant remporté aucun de ses trois matchs qualificatifs. Vincenzo Montella, meilleur buteur du Calcio, et Alessandro Nesta sont forfaits. Tous deux souffrent d'une cheville. Francesco Totti reste, lui, incertain. Et Gattuso fait toujours partie de la liste des joueurs retenus, alors que samedi dernier, le milieu du Milan AC a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage. Et enfin, la Norvège, qui jouera en Moldavie, visera bien sûr les trois points de la victoire. L'Italie est donc seule en tête de son groupe avec 9 points et 3 matchs pour une défaite. Suivent la Norvège et la Slovénie. L'Écosse compte 2 points pour 2 nuls et une défaite. La Moldavie est dernière. À suivre ce samedi, Italie-Écosse. Et 4 jours plus tard, la Slovénie reçoit la Biélorussie et la Moldavie la Norvège. Dans le groupe 6, l'Angleterre, qui a parfaitement géré son début des éliminatoires, partira largement favorite chez elle face à l'Irlande du Nord. L'attaquant de Crystal Palace, Andy Johnson, sera forfait après une blessure à la cheville. Avec 18 réalisations, il est le deuxième meilleur buteur de la Premier League. La Pologne, deuxième du groupe et outsider, ne devrait pas avoir trop de mal face à l'Azerbaïdjan. Lanterne rouge. L'Angleterre est donc en tête après 3 victoires et 1 nul. Elle devance la Pologne, très bien placée avec 9 points. Le Pays de Galles et l'Azerbaïdjan sont dans une situation délicate. Et vous voyez ici le programme des matchs à venir du groupe 6. Dans le groupe 7, un beau duel en perspective mercredi prochain entre la Serbie-Monténégro et l'Espagne, les deux favoris et leaders de leur poule. Du côté de l'Espagne, 5 joueurs pourraient connaître leur première sélection. Il s'agit des défenseurs Antonio López de l'Atlético Madrid, de Sergio Ramos du FC Séville et de Davide Navarro de Valence, ainsi que de 2 attaquants, Luis García qui joue à Liverpool et Mista le Valencien. La Serbie-Monténégro est seule en tête avec 10 points, soit 2 points de mieux que son prochain adversaire. La Lituanie compte aussi 8 points. Saint-Marin est bon dernier avec 0 points. Ce samedi, la Bosnie joue en Belgique, qui jusqu'à présent a été très décevante. Et mercredi prochain, 3 matchs sont au programme. Pour terminer, le groupe 8 avec un match au sommet ce samedi, Bulgarie contre Suède. Ce choc pourrait être décisif pour la qualification, avantage historique pour la Suède qui en 38 ans et 9 rencontres a gagné 8 fois pour un seul nul. À Sofia, en Bulgarie, ce match est vécu comme un véritable enjeu national. Les 40 000 billets de la rencontre ont été vendus en 2 jours. Pour les Croates, invaincus et en embuscade, l'enjeu sera de prendre les 3 points chez des Islandais bien mal en point. La Suède pointe en tête du groupe 8 avec 9 points pour 4 matchs disputés, juste devant la Bulgarie à 2 points, mais qui compte un match en moins. La Croatie est 3e à égalité de points et de matchs avec la Bulgarie, mais avec une moins bonne différence de but. Au programme, 2 matchs ce samedi et 2 matchs mercredi prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. À très bientôt sur Eurosport.